Et salut à tous, c'est Kyomarek, bienvenue, on se retrouve sur Skyrim pour de nouvelles aventures avec le mage le plus improbable de tout, Bordeciel. Bordeciel compte 9 châtellerie, Estomar, Chepervine, Afgnar, Garmanche, le Clos, la Crevasse, la Brèche, Blancherive et Fort d'Hiver. La Crevasse, c'est pas Markarth, c'est truc. Vous pouvez utiliser un tel enchantement pour apprendre de nouveaux enchantements et vos armes dans le. Là. Le processus les détruire. Tu m'étonnes. Il va falloir ouais qu'on se bouge un petit peu d'ailleurs pour l'enchantement. Ça c'est pas faux ça. On a pas mal de choses à faire. Alors donc nous voilà. Oh c'est beau. Bonjour. Ah tiens. Là c'est vrai qu'il lui a enlevé son parchemin des Nantia. Ok alors on devait maintenant partir à la recherche des nouveaux parchemins des anciens. Alors. Oh purée c'est vrai. On devait se rendre au château. Ça va être super dangereux cette connerie. On devait se rendre au château de Volkiar, pour justement chercher ce fameux nouveau parchemin des anciens. Que je crois que c'était la mère de Serana qui l'avait, effectivement, c'était ça. Alors là, par contre, c'est super dangereux. On va devoir passer par je ne sais quel. Tiens, il y a un truc là. Par je ne sais quel endroit. Normalement là les mecs ils nous auraient déjà repéré, ils nous auraient déjà foncé dessus. Là on va devoir se crouiller un petit peu pour espérer passer quand même. C'est gentil hein, de m'indiquer ça maintenant. Le château a l'air si grand depuis cet endroit. Enfin, je sais qu'il est grand, mais d'ici il est encore plus. Ok. Ah, mais y a du monde, comme par hasard. Là, y a la tour. Merde, elle passe devant moi comme ça, elle. Et âme capturée. Oui, c'est bon ça. Ah mince, ça c'est pas le bon sort que je voulais. Ah, y a une retombe, voilà. Ça peut bien passer. Oh là, il est où lui? Oup, 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 oup. Oh. Comment ça tu prends pas assez cher dans ta tronche? Mais c'est possible. Allez. Et une autre âme. Ah, et encore une. Bon, c'est que des âmes mineures, hein, ça va pas m'aider. Il y en a encore un. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. Voilà, voilà. Naner. Là, 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 là. Les âmes capturées, je kiffe. C'est parfait, ça. Ok, normalement, ils ont peut-être des trucs sympas sur eux. Mis à part. Ouais, non, ils ont que dalle en fait. Il y a des cercueils. Cercueils, il y a que dalle dedans. C'est pas gravissime. Et on rentre dans le château. C'est parti! Crypte Volkiar. Ça. L'allié d'outre-tour, mais il est utile, mais il est pas si puissant que ça à mon niveau. Allez, conjuration, on l'augmente encore. J'ai besoin des sorts de conjuration. Tiens, petite âme capturée. C'est parfait ça. Merde, elle a relevé, je voulais le fouiller. Il est où l'autre? Ils ont dû m'entendre, alors je sais pas comment. Oh! Oh non, chien de la mort! Voilà. Encore une âme. Allez là, tiens. Bam! Oh là! Le coup dans ta tronche. Ah, tu l'as senti là, hein? Hein, tu l'as senti? Ils sont violents, ceux-là, j'aime bien les prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va poursuivre. Ok, y a, là il y en a un. Il y en a un. Là, il y a des zones. Oh, qu'est-ce que... Oh, bordel! Je l'ai pas vu lui.
Ah, j'ai pas de chance là. Régénération de santé. Voilà, on va prendre ça. Et potion de soins. Ah ah ah, ça fait mal, hein, ça fait mal. Hein. Tiens. C'est bestiaux. Merde, c'est pas le bon. C'était pas le bon. Un vampire sauvage, ok. Bah voyons. Oh non, j'ai pas de gemme spirituelle. Moi, on me refuse l'accès à leur stupide château. Ces imbéciles n'ont toujours pas compris que je m'étais assis dans la crypte et que j'avais pris le contrôle de leur propre chien de la mort. Je me vengerai. Ah, bah désolé. Oh, ouais. Ça, je prends. Il a fait une petite bêtise quand même lui hein. Allez, lève-toi mon serviteur. Lève-toi et serre-moi. On voit que dalle en fait ici. Alors, trahison hypothétique. Voilà, c'est des bouquins que j'avais déjà lus en fait. Voilà, c'est ça, c'est le problème d'avoir réinstallé le mode malheureusement. Je saurais plus lesquels sont bons et lesquels ne le sont pas. Voilà. Ah bah dis donc. Ils sont déjà sur le pied de guerre. Attendez moi, je suis pas encore là. Voilà, ils sont déjà en train de shooter du monde. Oh, qu'est-ce que c'est ce bordel. Oh la vache. Il m'a éclaté la tronche. Tu vas te calmer, oui. Voilà. Oh mon dieu, elle a eu de la chance, ouais. Elle a eu de la chance, elle a eu de la chance. Il y a des picots en bas là, elle a eu beaucoup de chance. Alors. Les picots, c'est fait, c'est bon. En fait, il n'y avait rien de spécial à montrer là. Et alors, on va devoir aller de l'autre côté. Bah oui, mais fais gaffe où tu passes, toi quand même. Oh la vache. Oh, elle lui a mis un coup dans la tête direct. Elle a des sales bruits quand même. Hein. Ouais, bah on voulait mettre ça là, comme ça. Allez, on le dépose tout. Ah, c'est tellement dégueulasse. On va juste sauvegarder, je pense. Ouais, juste sauvegarder. On va changer de sort. Je vais reprendre épélier. Je vais partir sur un sort d'Atronach de feu. Ouais. Ouais, jackpot. Tellement de choses ici. Tas de sel, potion, du venin. Un poison persistant dilué. Tas de sel. Prendre de cuir. T'as quoi là-dedans? Ça. Alors, je voulais pas ça, mais c'est pas grave. Tac, ok. Ça, c'est bon. Ouah, mais il s'éclatait avec les gens, quoi. Oui, que vous fallait-il? Alors, oh putain. Non, c'est pas par là. Ah, c'est horrible. Oh, misère! Bon, on va balancer la tronac dans le coin. C'est parti. Ouais. Bien. Ah, j'ai... Oh non. Oh putain, juste la chance de ma life. Il vient de m'empoisonner. J'ai pas de... Oh là là, oh là 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 là. Eh, il m'a fait super mal. Elle est géante, elle me fait super mal.
Voilà, et j'ai capturé ton âme. Oh putain, elle m'a fait super mal cette saloperie. Son poison, il est allé super vite par contre. D'accord, ok. Ça, c'est fait. Là, j'ai une petite porte qui mène à nouveau au point. Ah, là-bas, je peux accéder là-bas. Comment j'y accède? Comment j'accède là-haut? Je peux pas y accéder? Personne pour me faire la courte? Oui, que vous fallait-il? Comment je fais ça, moi? Moyen d'accéder en haut? Regardez-moi ça, putain, il y a un coffre, il y a pas mal de trucs, là. Comment je fais ça, moi? Ah, attends. J'ai pas le sort de l'impulsion, là. Je vais peut-être m'en servir. L'impulsion peut peut-être... Ah tiens, j'ai même pas vu ça. Ça. J'ai bien fait de repasser, tiens. Non. Allez, mon grand. Fais pas le con. Voilà, trouvé. Encore un petit peu, peut-être. Le mollo. Ah, merde. Je suis pas bon voleur, moi, je crois, hein. Nickel. Ok, magnifique. Allez, tac 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 tac. Là, j'ai pas fait gaffe. Ouais, donc là, il faut que j'utilise l'impulsion pour aller jusqu'au bout. Impulsion, impulsion, impulsion. Mais je l'avais pas mis celle-là comme sort de cri. C'est bien le cri, hein. Impulsion. Pourquoi je les ai pas mis en favori? Et c'est. Non. C'est pas normal. Bon, je vais réutiliser. Peut-être que je m'en suis mal pris. Est-ce que je peux le faire en faisant comme ça? Merde. Ah non, t'es sérieux? Je voulais sauter, il est tombé. C'est n'importe quoi. Tac. Bah non, ça marche pas. Je peux pas sauter et faire mon cri. C'est quoi ce délire? C'est nawak ça. Putain, y a tellement de choses là. Ah, je peux pas. Oh non. N'importe quoi. C'est trop nul. C'est nul, monsieur. Je vous le dis, c'est nul. Je peux rien faire en fait. Bon, on va réessayer une fois. Si j'y arrive pas, c'est con quoi. Ça fait. Ah non quoi. Oh, j'ai les nerfs. Pourtant, il reste rien. Il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien à faire quoi. Vas-y, toi, tu m'énerves. Viens là, là. Tu m'énerves, toi. T'es en haut et pas moi. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Voilà, tiens. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ah, chier quoi. Je peux même pas gruger le game. Oui, que vous fallait-il? Ah, quoique. Merde. Si je gruge un peu le game, peut-être que. Non. Il veut pas, il voudra pas. Ah. Non, allez, allez, allez. Oh putain, presque. Allez. Oh merde, putain, j'y suis presque pourtant. Non. Ah putain. Allez, 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 allez. Non. Je peux le faire, putain. Je peux le faire, je veux pas tomber. Allez, je veux pas tomber. Faites pas les cons. Non. Ils sont sérieux. Oh oui. Oh putain, j'ai grugé le game. Ah, pomme de terre, collier orné, botte, on s'en fout du reste. Yes, j'ai réussi ma connerie. Un bouclier, résistance à la magie, yes. Un marteau de fer, on s'en fout un peu. Allié de retombe, je l'ai déjà. Le capture d'âme, je l'ai pas, voilà. Le bâton, écoutez quoi, je vais au moins pouvoir... Allez, je les prends comme ça, je vais au moins pouvoir les revendre.
Ah putain, j'ai cru le game, je suis content. J'ai fait une connerie. Je suis content de ma connerie. Et maintenant, on continue. Celui-là mène vers la cour. Il suffit de se diriger vers la porte. Ah non, non, la porte elle sert à rien. Ah là. Nous avons réussi à atteindre la cour. Oh non. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à cet endroit? Tout a été mis à sac. L'endroit tout entier semble mort. On dirait que nous sommes les premiers à poser le pied ici depuis des siècles. Ah bah c'est pas peu probable. Dans la grande salle du château. On dirait que mon père l'a fait sceller. Je passais par ici après le dîner. C'était très beau. Avant. Ok, alors. Oh, c'est joli tout ça. Il y a des choses intéressantes. Blah, blah. Oh tiens, c'est quoi ça? Vous imaginez à quel point un lieu qui a été entretenu par un seul maître pendant des centaines d'années peut être magnifique. Elle aurait détesté le voir comme ça. Attendez. Ouais, c'est quoi ça? Putain, j'aurais trouvé des trucs bizarres. Oui. Ah, attends. Mais oui. Non. Peut-être. Quelque chose ne va pas avec le cadran lunaire. Il manque certains symboles et le cadran est de travers. Je ne savais même pas qu'on pouvait enlever les symboles. Bah, j'en ai trouvé. Essaie de nous dire quelque chose. Là, je n'ai pas. Là, j'ai pas non plus. Celui-là, j'ai pas non plus. Ça, celui-là. Ah bah j'en ai un là. J'en ai un récupéré un deuxième. Ouais bah nickel. Et il en manque. Il en manque. Bah ils sont peut-être dans le coin. Alors on va chercher un peu. Peut-être qu'on va les trouver. Hein, comme. Non, ça a pas l'air d'être là. J'en ai trouvé deux. Il y en avait un ici. Tac 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 tac. Il y en avait un ici, il y en avait un autre. Je pense que de l'autre côté. On va chercher ça vite fait. Il y en avait un là. Là. Les portes, on peut y aller. On peut y aller. Je vais déjà aller voir en haut peut-être. Là, il y en a un. La grande classe. Est-ce que. Technique ancestrale. Non, je vais pas le faire. Ces pauvres gargouilles, je leur mettrais tellement cher. Alors, voilà. Volkia, tour est. Faut chercher. Mais... Ah, là, c'est pas vrai. Elle me suit pas. Bah, elle me suit pas forcément. Bon. Ah, regardez. Oh, 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 oh. Oh là là. Oh là 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 là. Oh. Oh, oh, oh. Merci, merci, merci. Toi, t'as eu. Toi, t'étais dans la merde, je crois. Il t'est arrivé une embrouille. Alors, il y a carrément plus que qu'une embrouille ici. Ils se sont tous fait niquer la gueule. Bon, là. Apparemment, il y avait du monde, hein, je dis bien il y avait. Et là c'est tout. Oh, qu'est-ce que c'est? De l'or. Moi je suis preneur de l'or. Y a rien d'autre? Apparemment pas. Oh, c'est quoi ça? De l'or. Bon, bah, de l'or. Bah, y'a rien. On peut se calmer, hein. J'entends des choses bizarres, moi. Bah, y'a rien de spécial, apparemment. C'est moi qui a un problème. Je vais demander à. S'inquiète. Alors, est-ce que ça on peut le bouger? Non? On peut bouger ce cadran là, truc? Non. Je vous le dis, il manque quelque chose sur ce cadran lunaire. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Eh bien, pour ce que j'en sais, c'est un exemplaire unique.
Les anciens occupants du château avaient un cadran solaire dans la cour. Et de toute évidence, ça n'a pas plu à ma mère. Elle a persuadé un artisan elfique de procéder à des améliorations. Vous pouvez voir les plaques qui montrent les cycles des lunes, Maser et Secunda. C'est bien le problème. Quel est le but d'un cadran lunaire? Je me suis toujours demandé pourquoi elle n'a pas tout fait enlever. Mais elle l'adorait. Je ne sais pas. Je suppose que c'est comme posséder une œuvre d'art quand on s'y connaît un peu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Difficile à dire. Si nous retrouvions les symboles manquants, nous pourrions y voir plus clair. Ouais, bah voilà, enfin, tu m'aides pas en fait. Les symboles manquants. Ils devraient être facilement repérables, même dans cette pagaille. Retrouver les symboles. Ouais, grosse maline. Surtout ne m'aide pas, quoi. N'importe quoi. C'est moi qui dois tout faire, sérieusement. Ouais, quoi là dans Tournor. Oh, comment j'aime pas ça! Non, mais y a plein de pipoules là. Y a plein de pipoules. Ouais, il n'y en a pas qu'un. Raté. Donne-moi ton arme. Alors. Ah, une porte. C'est pour moi le plus grand des mages cambrioleurs. Allez, sérieusement, arrêtez de me casser les couilles avec vos serrures à la con. Mais non. Voilà. Ça s'abuse. Oh, bonjour. Des lingots d'or. Merci. J'aime quand vous êtes mort et riche comme ça à la fois. Ça m'intéresse beaucoup. Alors là, ça va être la guiguerre. Ouais, ça se réveille là. Et de 1. Oh. Oh, lui, il a l'air un petit peu plus costaud. Oh. Oh putain. Oh, il va me faire trop mal. Oh, les boules qui m'ont foutu le con. Je me casse, t'es ouf. Oh putain. Il m'a fait une de ses peurs. Abruti. Oh la vache. Oh. Il m'a fait une de ses peurs. Ah putain, j'ai dû m'enfuir. Oh la vache. Je sais même... Ah, j'arriverai pas à l'affronter comme ça tout seul lui. Non, il m'a foutu les boules. Allez, tac tac. Allez, déjà les soins. Ensuite, on va reprendre un petit déferle. Hop. Je vais balancer un petit corps de chêne. Et mon atronach de feu. Alors, hop là, lui. Ok. Ensuite, je vais prendre les flammes. Hein. Allez, et on va y aller comme des gros bourrins. Faut juste que je vais sauvegarder avant, voilà. Allez, crève. Ah, la gargouille. Il prend pas tarif lui hein. Ah, ils prennent pas tarif hein. Oh vache. Ouais, ils prennent pas leur leurs dégâts hein. Ça Oh, je suis tellement dans la merde. La magie
Crash, je vois pas ce qui pourrait bien marcher sur eux. Étincelle peut-être. C'est des gros malades. Ça marche pas plus que ça, hein. Celui de les brains. Oh, magie, merde. Ah, la gargouille, ça a l'air de fonctionner un petit peu quand même. A minima. Allez, ma grande. Fous-leur une bonne raclée. Oh la vache. Ils sont affolants, quoi. Ok, ça, ça marche sur lui. C'est parfait. Oh putain, showtime quand même, les enculés, hein. Oh super, charbon de bois, grenat. Non mais y'en a partout. Ils me font peur, ces cons. D'accord, là y'a un banc. Qu'est-ce que je fasse? Alors. Là, y'a des trucs là. Une armure elfique. Cercle gardien. Bâton de la peur, des gantelets, attaque à une main. Ça, je prends, et je prends aussi. Ok, alors ça, c'est bon. Là, il y a un truc expert. On va y aller, hein, l'expert. Hein. C'est pas ça qui va nous arrêter. Oula. Oh putain, dès le premier coup, j'ai rien fait en plus. Alors, tac, tac, cassé forcément. On va essayer de l'autre côté. Peut-être qu'on va le débloquer. Ah ah. Ok. Attention. Et merde. Ouais, un petit peu plus. Un petit peu plus. Mais non, mais t'es sérieux? C'est du gros foutage de gueule, ce crochetage de merde. Voilà. 45. Mais t'es sérieux, toi, pour du niveau expert? Foutez de ma gueule, sérieusement. Bon, ça a pas l'air d'être ici leur leur truc là. Ça me fait un peu chier. Est-ce que ah tiens, il y avait un truc là-haut. On va aller voir ça. La 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 la. J'ai mis quoi là en déferlement? Ouais, donc on va quand même mettre autre chose, impulsion. Alors, coffre. Ouais, encore des trucs sympas. Non, ça marche pas. Ok, bon. Apparemment, c'est pas dans ces zones que je peux trouver les trucs. Donc, à mon avis, c'est, enfin, ça reste dans la cour. Faut juste que je les trouve. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que je pourrais les trouver? S'ils sont forcément dans le coin. C'est elle qui me l'a dit. Cursine. Alors. Quoi ça? Mousse barbu. Allez. Oh la mousse. Il y a forcément. Ils sont forcément quelque part alors. Je les ai loupés d'un chouïa ou. Où est-ce qu'ils peuvent être? Elle me dit c'est facile, bah oui, 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 je suis clairement facile, hein. Je vois même pas où ils sont. Repérer ces trucs-là, c'est. Est-ce. Ça se déplace pas? Non, ça se déplace plus. Hein. Si nous avions les symboles, nous n'aurions pas à traîner dans cet endroit charmant. Mais sans déconner! Symbole manquant, symbole manquant. Les autres trucs, j'ai pas l'impression. Ah, j'en avais déjà? Non! N'importe quoi! Mais n'importe quoi, je l'avais déjà en fait. Bien vu, mère. Très bien vu. Super. Je suis vraiment nul. Je savais même pas que j'avais récupéré le dernier en fait. Je pensais qu'il y en avait plus que ça.
Mais finalement pas. Ok, donc on vient de passer à je ne sais quoi. Elle est où Sarah? Ah, elle est là. T'as laissé tomber un truc là? Une émeraude. Nous rapprochons, j'en suis sûr. Des bourses. Un levier. Du vin. Ouais, classe. Allez, prendre des trucs. Je n'étais jamais venu dans cette partie du château. Faites attention. Je ne sais pas sur quoi on peut tomber par ici. C'est tellement rassurant. C'est tellement rassurant. Là, elle avait carrément un puits de flotte. Bon alors. Ouais, c'est rassurant. C'est rassurant à mort. Allez, vas-y. Parce que là... On va leur mettre un petit déferle dans la tronche. Parce que hein, je suis quand même un enfant de dragon, faut pas déconner. Étincelle. Hop là. Yeah. Boum. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Je suis le nouveau site argonien en fait. Ah, oh, comment on vous a bien défoncé. Il y en a partout. Ils s'en ont foutu partout. De la farine d'os. Donne-moi les farines d'os. Clairement, c'est bon. Alors. Tiens, on va monter là, on va voir, explorer un petit peu quand même, minimum, savoir s'il n'y a pas de coffre ou de choses intéressantes, des émeraudes ou des trucs. Y'a rien, alors. Vous êtes bien fait défoncer, dis donc. Moi, ça m'a bien fait plaisir. Alors, ça veut dire, gare à ta gueule, lui là-bas, je l'aime pas. J'en étais certain. Oh vache. Merde. Ouais, c'est bon, c'est lui que j'ai bien visé. Grenade, minerai, rubis. Merci. Par contre ça rapporte de les déglinguer eux. Ah, j'ai une bande de cuir, rouleau de papier. Ça m'a l'air un peu... Ah putain. Ça me fait un peu chier, j'aimerais bien me faire quelques... Voilà. Voilà, quelques petites âmes, c'est toujours ça de prix. Et clac, ça va casser. Même pas, oh putain. Eh, de mieux en mieux. Ah, gemme inférieure. Là, on a bourse. Dépiti septime. Nous nous rapprochons. Ok, ceci. Vous voulez des tapis? Un tonneau avec des amanites. Ouais. Nous nous rapprochons. Oui, 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 bah c'est bon, on a compris. Même pas peur. Oh, j'aime quand tu me parles comme ça. Ah, j'aime l'argent, j'aime l'or. Elle se bat toute seule. Allez, allez, allez. J'ai eu son âme. Ah yes. Ça c'est bon ça. Lui par contre il va être chiant. Oh putain j'ai eu peur. Encore une âme. J'avais bien entendu.
Ah non, mais si tu passes devant moi aussi, jamais j'arriverai. Voilà. Non, c'est. On dirait que ma mère avait plus de secrets. Mais c'est pas toi que je veux parler. Je me demande ce qu'elle peut bien cacher. On dirait que ma mère avait plus de secrets. Oui, on a compris, on a compris, on a compris. Je me demande ce qu'elle peut bien cacher. Ah, apparemment, c'est pas là. Donc. Ah, la conjuration, ça fait plaisir. Alors, je vais lire les bouquins quand même, un minimum. Comme ça, au moins ceux-là ils sont faits. La boutique, j'avais déjà lu tout ça en plus. Ça me fait déjà ça en moins en fait à lire pour les prochaines fois. Surtout que j'avais lu déjà pas mal de bouquins. Merde. J'ai lu pas mal de bouquins dans la bibliothèque de l'académie. En voilà un autre. Merci. Qu'est-ce que tu fais toi? Ah ouais, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Et un level. Oh, allez, petit level. Alors, on va augmenter forcément. Là, pour le coup, je pense que la vigueur, ce serait pas mal. Ouais, on va augmenter un peu la vigueur. Ça pourrait pas faire trop de... Ça me causera pas trop de soucis. Et là, alors là... Les armes liées permettent de bannir les créatures en cours d'invocation et de prendre le contrôle de celles déjà invoquées. Ça, alors les armes liées, j'aimerais beaucoup disparaître le coup. Point de magie des sortes de conjuration spécialiste. Alors ça, ça peut être génial aussi. Là, double la durée des atronacs. J'aimerais beaucoup, franchement, les. Alors vous pouvez invoquer deux atronacs ou zombies. Oh là là, ça peut être trop bien. Conjuration de maître, diviser les coups. Alors moi ce que je vais faire, je pense que je vais prendre de la... Lancer un double sort de conjuration permet d'obtenir des effets encore plus durables. Encore plus durables. Bon, c'est pas, pour l'instant c'est pas trop mon objectif. Je pense que je vais partir sur de, sur de l'astromancie. Comme ça mon atronac pourra rester plus longtemps. Ouais, je vais rester là dessus Merde, je voulais pas prendre sa putain, son putain d'arc. Coucou. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Carrément que ça lui apprendra, ouais. Ça, c'est bon. Ok. Oh putain. Allez. Amène-toi. Amène-toi, je suis sûr tu bouges toi. Non, il bouge pas. Qu'est-ce qu'on avait là? On a rien ici. Mais je suis certain que quand je vais activer le truc, il va se réveiller ce con. Moi je te défonce. Oh putain. Il me fait mal. Oh là là là. J'ai ton âme quand même. Ok. Oh, il m'a fait super mal le con. Ah, tac, tac. Grenard, merci. Allez, je pense qu'on est pas loin de la fin là, non? Peut-être. Mais dégage! Oh merde! Elle aime pas le feu, c'est vrai. Non, mais c'est pas ça! Ah, à chaque fois je me trompe! Je suis nul! Épellier. Ah, j'aurais pas eu le temps de lui choper l'âme! Je n'ai pas eu le temps de lui prendre son âme! Bah, attendez, il y a une porte là, je suis obligé de me la faire. D'accord, j'ai rien touché. Ah oh, putain, ça va être trop tendu. Ah, quoique. Bon, je suis déjà sur la bonne voie. Et... Ouais. Je vais avoir entendu quelque chose. Putain, ça fait plaisir.
Je suis bon là, je suis bon. Alors, comment ça c'est? Oh putain, matez-moi ça. Oh oui, il y a des armes enchantées. Oh là 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 là. Mais je prends tout ça, mais c'est magique. Et c'est génial, c'est l'armurerie. Coucou. Ah là, comment je les ai bien eus. Ouais, ouais, je fais que passer, t'inquiète. Allez, le suivant. Merde, les autres. Faut quand même que je donne un coup de main. Qu'est-ce que vous croyez faire? Qu'est-ce que vous croyez faire? Ah là là. Déconnez pas. Alors, ça c'est fait. Donc, je pense qu'il fallait que de toute façon que je monte. Ah, donc, je pense que c'était par là, non? Ou alors il y avait autre chose à faire. Non, non, il fallait que je monte. Hop là, tac, 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 c'est parti. Oh, très intéressant. Là derrière, il y avait quoi? Il y a rien de spécial. Non, rien de spécial. Oh, c'est un autre passage, ça? C'est un autre passage. Ok, ça c'est un vrai labyrinthe, le bordel. Alors, hop, c'est là qu'ils construisaient les. Ok. Putain, ouais, mais il y en a plein là. Oh, déconnez pas. Coucou. Il y en a plein là, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y en a pas qu'un. Crève, crève, charogne. Ouais, mais non, mais non, mais non, mais s'il y en a trop là, c'est pas bon. Oh, le coup qui m'a mis. Ah, chier. T'as le bâtard. Non. Non. Oh, le coup. Salopard. Ah, il fait trop mal. Il fait trop mal. Soin léger. Je vais devoir refaire un résistance au feu. Augmente capacité de port, on s'en fiche. J'ai rien qui peut bien m'aider là. Breuvage. Parchemin. Hystérie sur zombie. Tempête le. Non, ça pourra pas marcher correctement. Bon, je vais y aller comme un gros bâtard. Tiens, tiens. Ouah, mais ils ont mis Serena dans la merde. Non. Ils ont mis Serena dans la merde. Oh là là, là. C'est un truc de ouf. Vas-y, 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 mais barre-toi. Ou va au moins là. Voilà. J'ai pas vu qu'il y avait un coffre. On en est où là? J'ai carrément oublié de sauvegarder moi. Raté. Tiens, voilà. Ah, enfoncer comme ça tout doucement, c'est horrible. Ah merde, je suis coincé. Ah c'est bon. C'était dégueulasse comment j'ai enfoncé la lame tout doucement dans le dos. Alors, soin.
papa. Bon, c'était vraiment, vraiment chiant là. Vraiment, ils étaient délicats à déglinguer. Oh, une nouvelle robe royale de vampire. Nous ne sommes pas encore au sommet. Il paraît qu'il y a une sorte de passage secret par ici. Attends, parce que là, moi je suis bien content. Objet, tenue. Une armure royale. Elle est où? Armure de seigneur vampire, j'en ai une. Régénération magique 125. Bon. Voilà, j'ai envie de vous dire. Bon, les sorts me coûteront un tout petit peu plus cher, mais j'ai une belle régénération de magie. Petit bois. On arrive enfin en haut. Est-ce que au moins c'est ça, ouais. Aha! Oh! Oh! Il y a tellement de choses là. Oh! Oh! Oui, moi je regarde. Putain, regarde ça! Alchimie augmentée! Je savais qu'elle s'intéressait beaucoup à la nécromancie. Elle m'a appris tout ce que je sais, vous voyez. Mais je ne savais pas du tout qu'elle disposait de cette installation. Regardez ça. Elle a dû passer des années à rassembler ses ingrédients. Qu'est-ce que c'est que ça? M'en bats les noix, moi je prends tout. Je ne suis pas sûre de ce cerf. Mais de toute évidence, c'est quelque chose. Oh là là, il y a des bouquins. Est-ce qu'il y a des bouquins de magie, de compétences? C'est quoi ça? Ah, un journal. Tiens, ça peut être intéressant ça. Je vais le prendre. Jetons un coup d'œil. Il doit y avoir quelque chose ici qui nous indiquera où elle est partie. Bah écoute, j'ai trouvé un journal. Tiens. Vous avez trouvé son journal? Je suis trop fort. Ah, je suis trop fort. C'est quoi le Cairn de l'âme? Je ne sais que ce qu'elle m'a dit. Elle avait une théorie sur les gemmes spirituelles, selon laquelle les âmes qu'elles contenaient ne disparaissaient pas après leur utilisation, mais finissaient dans le cairn de l'âme. D'accord, donc qu'est-ce qui se passe après, ouais? Le cairn de l'âme abrite des êtres très puissants. Les nécromanciens leur envoient des âmes et reçoivent des pouvoirs en contrepartie. Ma mère a passé beaucoup de temps à essayer de les contacter directement, pour pénétrer dans le cairn de l'âme. Et elle a réussi? Ce cercle au centre de la pièce est clairement une sorte de portail. Si ma lecture est correcte, il y a ici une formule qui devrait nous permettre de passer sans danger dans le cairn de l'âme. Bon, bah on a besoin de quoi? Une poignée de fragments de gemmes spirituelles, un peu de poudre d'os moulu finement, une grosse pincée de sel du néant purifié. Oh, zut! Quoi? Il nous faudra aussi un échantillon de son sang. Ce qui... Eh bien, si nous en avions, nous n'en serions pas à essayer de faire ça. Et ton sang à toi? Pas mal. Pff, oh là là. Espérons que ça suffira. Avec ce genre de portail, toute erreur peut s'avérer effroyable. Bref, peu importe. Commençons. Ah, tous les ingrédients sont ici. Mère conservait toutes sortes d'ingrédients dans son laboratoire. Il vous suffit de les trouver. Bah, au boulot. On va faire ça. Tiens, attention. Ah, farine d'os. Hop là. Ok, bah on va chercher, alors, non ça c'est parce que je veux, les fragments de gemmes spirituelles. Coffre, oh là 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 là. Coffre, je vois pas pourquoi ils font ça. Oh, un livre de sorts. Furtivité augmentée, ah ouais, trop bien. Ok, des plumes. Où est-il les plumes? Je sais pas en quoi, mais c'est très utile. Voilà. Gemme spirituelle noire. Fragment. Non. J'aime. Oh. Et qu'est-ce qu'on a là? Mais on a plein de trucs, mais c'est ouf. Merci. Tac. Allez, hop, tu reviens là, toi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore plein de choses. Blablabla. Mais c'est trop bien. Il y a tellement de trucs ici. Hop là, Rafka Ragnar. Moi je suis content, hein. ça me fait des.
la mousse grimpante. Ça me fait tellement de choses. Œuf, oreille de Falmer, obscurcine, il y en avait. Il y avait encore un truc là, obscurcine? Non, c'est une cruche. Là, celle de feu. Celle de néant purifié. Ça. Carpe. Carpe diem. Ok, normalement on a tout ce qu'il faut. Alors allez, on va en profiter, il y a une table d'enchantement. J'en profite grave. Désenchanté, l'arc de glace, allez. L'arme, bon allez, voilà, et l'aventure de sac, je pense pas. En tout cas, on a vraiment augmenté tous nos trucs. L'âge de bûcheron, on s'en fout. Un anneau, alors l'armure de seigneur vampire. Il y a tellement de choses que je peux faire maintenant, je suis trop content. Alors, enchantement, qu'est-ce qu'on a de bien? On a dégâts de feu, on a récupéré tellement de trucs, 6 fonds de magie, 6 fonds de santé. Renfort alchimique, ça pourrait être super sympa pour avoir une tenue d'alchimie pour la prochaine fois. Destruction, régénération, ça c'est bien aussi. Et j'ai. Franchement, je me suis bien fait chier. On a la race de. On a la race d'âme correcte. Bon, c'est des insignifiants, tout ça, donc c'est pas de. C'est pas si puissant que ça. Mais après, franchement, quand on aura de la. Des vraies gemmes de niquer, là on va se faire plaisir. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être me faire un petit plaisir. Je vais faire celui-là en enchantement. Je vais faire ça en renfort de regain magique, peut-être. Ça peut être super stylé. Ou est-ce qu'on a encore? On n'a rien d'autre. Renfort, ouais, renfort en regain magique. Ou en destruction, peut-être. Dans ce sort de destruction coûte. Non, en fait, c'est. Non. Alors, c'est pas ça que je veux. Je veux quand même que ce soit 28 points. 28% plus rapide. Et là, donc forcément, si je mets cette gemme là, 9% plus rapide. Si je mets celle là, 28%. Ça change tout de suite. Ça change tout de suite. Ah, franchement, ça change tout de suite. Je pense que je vais d'abord utiliser vraiment les trucs qui sont pas les plus les plus stylés. Allez. Ça augmentera un petit peu notre enchantement. C'est pas plus mal. Alors, l'armure. Tiens, on va augmenter. On va faire l'armure. Augmente notre santé de 20. On va utiliser un truc tout con. Ouais, on va faire un renfort de santé. Allez, hop. Hop là. Augmente notre santé de 4 points. On s'en fout, c'est juste pour augmenter l'enchantement. L'enchantement, ça augmente. Alors, voilà. On continue, enchantement, objet, armure de seigneur vampire, enchantement, on fait un regain magique, allez pour lui un regain magique, voilà, puis ça me permettra aussi de les bazarder, hein, de les bazarder à un truc un peu plus cher, enchantement, allez on va faire un dégât de feu ou un siphon de santé, tiens, absorbe 8 points de santé, allez un péril des morts, tiens ça peut être drôle. Tac, tac, tac. Artisanat. J'adore. C'est super sympa. Ah, je bûcheron, arc nordique. Tac. Anneau d'or. Voilà, enchantement. Renfort d'alchimie, par exemple. Hop. Les pouces, vous voyez. C'est pas très élevé. Il faut vraiment que j'augmente mon. Bon, vous savez quoi? Je ferai ça hors caméra. Je vais augmenter mon alchimie dès que je peux. Enfin, là, vu qu'on va avoir pas mal de choses à faire. J'augmenterai tout ça, l'enchantement, l'alchimie, je les augmenterai. Ça me permettra d'aller un petit peu plus loin. Placez les ingrédients dans la coupe et dites-moi quand tout est prêt. Voilà, bah tout est dedans. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors c'est à moi de m'occuper du reste. Vous êtes prêts? Je ne suis pas vraiment sûre de ce que cette chose va faire quand j'ajouterai mon sang. Ça va péter. Allez, vas-y, je suis prêt. D'accord. On y va. Ça y est, t'as tout fait péter, on va mourir. Il a réussi. Oh chier. Un portail vers le cœur de l'âme. C'est incroyable. Oh. Oh, le cœur de l'âme. Oh. Eh ben, vous savez quoi, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. Juste avant de rentrer dans le cairn de l'âme. Alors moi, hors caméra, donc je vais augmenter, je vais lire tous les bouquins qu'il y a là-bas. Je vais faire un peu d'enchantement. Je vous montrerai ce que j'ai fait en enchantement. Et
on ira ensuite dans le cairn de l'âme. Et on ira retrouver la maman de Serana. Ça va être marrant, ça va être super sympa. J'ai hâte d'y être. Et je vous dis à tous, donc, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Alors, je vais arrêter donc de mettre à chaque fois l'introduction. Ça me fera énormément, ça me fera gagner beaucoup beaucoup de temps. Et ça vous, je pourrais mettre directement la vidéo en ligne. Comme ça, en fait, j'ai juste à tourner la vidéo. Bam, je la balance sur le net. Et puis, vous pouvez vous faire un gros plaisir, un gros kiff pendant la 55 minutes. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bon jeu.